Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Wolong Fallen Destiny, Dynasty, pardon. Plus le gars, il sait même plus lire le titre. Donc on est. Excusez-moi, j'ai encore un peu le nez bouché. Il y a des allergies qui commencent déjà. Alors on est sur un Souls-like, mais j'ai lu un peu tout et son contraire. Moi, je suis pas très fan des Souls-like en général, mais en fait, j'ai lu des gens qui jouaient au On soupe habituellement dire c'est trop dur, j'ai abandonné, j'en peux plus. Et d'autres, et j'ai entendu notamment Bibi300 nous dire en fait, je comprends pas trop la vie de ces gens-là parce que c'est le Souls le plus abordable. Parce qu'il suffit de comprendre un peu le système, et il y a un système avec une jauge de morale, je crois, de ce que j'ai compris. On va voir ça dans le jeu, je pense. Et lui, en gros, il explique que si t'as compris comment marche ce système de morale, en gros, tu peux alors pas rouler sur le jeu, faut pas déconner, ça reste un Souls-like. Mais c'est beaucoup plus abordable et plus facile qu'un Dark Souls ou d'autres. Donc en fait, on peut lire tout et son contraire. Donc écoutez, on va voir. On est sur Xbox Series X. Et j'ai mis le mode priorité au FPS. Bon, je suis désolé pour mon nez encore. Alors, il est beaucoup moins bouché. Maintenant, je peux respirer normalement, mais j'ai l'impression qu'il coule en fait en permanence. Et il y a déjà des allergies qui reviennent. Donc, bah voilà. C'est-à-dire, on a un écran noir, mais non, il y a un petit temps de chargement là. On se retrouve après la cinématique. Elixir, the secret of the eternal path, a prize sought by the sovereigns of old. Among them was the first emperor of the Qin. Who lusted for immortality. The result of his quest to obtain the forbidden medicine was a catastrophe. The elixir's power proved overwhelming. And in the years following the dynasty's demise, it continued to exert a shadowy influence on conflict and political machinations. Many moons pass, and the Han Empire faces its final days. In these dark times, Elixir once again threatens to become the catalyst that awakens the dragons lying dormant across our land. Shall soon bask in the majesty of the Yellow Heaven. Bring prosperity for all. Bring prosperity for all! Thank you for saving me. I'm glad you've recovered from your injuries. I found you, bearer of the eternal elixir field.
Bon, création de personnage. Oh, excusez-moi. Je vais vous raconter ma vie 2 secondes, mais j'ai acheté un Coca Zéro édition limitée là. Rosalia, c'est une chanteuse apparemment, donc ils ont fait un Coca ensemble. Et il est dégueulasse. Suis désolé de le dire, mais c'est dégueu. Ça n'est pas très bon du tout. Moi, en tout cas, personnellement, j'aime pas beaucoup. Après, j'ai oublié de vous dire, le jeu, il est dispo dans le Game Pass. Alors, on va passer un peu de temps sur la création de personnages, comme on a fait la dernière fois. Comment il s'appelait ce jeu? Je sais même plus. Ouais, ce modèle-là était pas mal. Après, on peut... La posture... Ouais, ça change un peu l'écartement des bras. Ouais, bon, voilà. Mais c'est comme ça. Type de teint. Ouais, on peut faire avec la peau un petit peu marquée, par exemple. Type de peau. On va laisser comme ça. Ok, donc là, on a fait ça. Après, on peut vraiment changer pas mal de choses. On va laisser celui-là. On peut changer de la largeur des pommettes, machin, de la mâchoire et tout. On va laisser comme ça, moi ça me convient très bien, j'aime bien. Il y a des éditeurs de personnages que j'aime bien parce qu'on peut vraiment faire un personnage détaillé et pas moche. C'est-à-dire parce qu'il y a des jeux où vous avez beau essayer tous les réglages, votre perso, il est toujours dégueulasse. On peut dézoomer un peu. Et de base, il est. Ouais, ok. On va laisser comme c'était. Ça me va. L'iris. Ah ouais, on peut faire des trucs un peu. Moi, ouais, c'est bien, c'est bien. Comme ça, c'est pas mal. Le nez. De base, il était très bien. Alors moi, j'ai un truc avec ça, moi. C'est sur un visage, ça peut me bloquer le nez. C'est vraiment, c'est un truc, ça peut me bloquer. Mais en vrai, là, j'ai pas trop envie de la changer parce que. On peut faire vraiment plein de trucs, hein. Pour en mettre plusieurs, d'accord. Ah ouais, c'est les mêmes. Ok. Accessoires. Peut lui mettre des lunettes. Ok. Non mais n'importe quoi. Ok, accessoires d'oreilles. Alors pour ceux que ça intéresse pas, vous pourrez passer, hein, évidemment. Mais moi, j'aime bien prendre le temps et puis comme ça, je prends le temps de vous montrer en même temps tout ce qu'on peut faire. Moi, je trouve que la coiffure est pas mal, là. En vrai, j'aime bien cet éditeur de perso. J'aime bien ce qu'il donne. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Ça aussi, moi j'avais ça. On va mettre ça, tiens. Ça c'est pas mal. Ah ouais, on peut.
Après, on peut changer genre la frange, tout ça là. On va faire ça. Après, on peut les attacher autrement. Ils ont pas mal poussé le truc quand même, c'est pas mal. Allez, on va faire ça. Ouais, on va les laisser de cette couleur parce que j'aime bien. Allez, on y va comme ça. On va laisser rouge. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va pas la faire trop grande, hein. D'accord, ça élargit un peu tout. Moi j'aime personnellement j'aime bien ça. Une femme avec des abdos ou voilà, moi je trouve ça très joli. Donc alors, on va jouer. Donc village de montagne isolé. Take this. I'm sure it will prove useful. It's a medicine created from refined chi. With it, si tu me files des potions, ouais. Ça va m'être utile, je le pense, ouais. Bon bah avançons. Déjà au moins, alors j'ai mis le mode FPS. Hein. Donc au moins c'est fluide. Ça déjà, grosse qualité. Vous voyez le 0 au-dessus de ma barre de vie là ? Et bah, je crois que c'est ça la jauge dont il parlait, la jauge de morale ou... Ok. Donc on... Voilà, là on l'a contré. On peut l'enchaîner. Ok. Donc lui, il avait une jauge à 0. Là, c'est un truc à ramasser. On peut sprinter, ok. Bon, pour l'instant, j'aime bien, parce qu'en fait, ce que j'aime pas des Souls, par exemple, c'est que je trouve le gameplay hyper lourd. Et là, c'est beaucoup plus dynamique. Donc, déjà... Ça va me plaire beaucoup plus. J'ai pas réussi à le contrer cette fois, donc j'ai pris un peu de dégâts. Il va falloir qu'on fasse attention quand même. On va ramasser tout ce qu'on trouve, hein, parce que j'imagine que... Si c'est un Souls-like, il va y avoir des endroits où on va pouvoir sauvegarder. Et donc on va avoir des sortes de... Pas de feu de camp, mais... Alors, pareil. Ouais, c'est ce que je faisais déjà, en gros. Après, il y a moyen, j'imagine... De y aller discrètement, aussi. Et de les surprendre. Alors après, je vous dis que j'aime pas trop les Souls, mais j'ai essayé quand même, hein. J'ai joué à plusieurs. Même sur PS5 aussi, d'ailleurs. On va monter, mais là, le gameplay est plus dynamique. C'est à, vous voyez, le niveau de morale. Et là, il y en a un qui est à 3... Bien aimé, j'aurais bien aimé le choper discrètement. J'ai pas réussi. Bon, jusqu'ici,
Ah, ok. Je l'ai fumé. Bon, franchement, je trouve que ça se fait bien. Moi, j'avais vraiment peur. Il y a moyen de fouiller, là. Mais je trouve que ça se fait bien. Équipe-toi. Alors, équipement. Attendez. Qu'est-ce que c'est, documents? D'accord. Ok. On a un inventaire, du coup. Ok. Et on a, du coup, des équipements. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Résistance physique. Défense. Ok. Par contre, il y a des choses genre le feu, tout ça. Elle est moins bien. Il y a un système de poids aussi. J'imagine que si on met un truc plus lourd, on va bouger moins vite. On va mettre ça, on verra bien. Effectivement, j'ai l'impression qu'on se déplace un petit peu moins vite. Qu'est-ce que c'est pour sauvegarder, non? D'accord. Donc ouais, effectivement. Et on peut monter en niveau ici, ok. Alors, est-ce qu'on peut... On a plusieurs choses, vertus de bois, de feu, de terre, de métal et d'eau, qui nous font monter plusieurs... plusieurs statistiques. J'ai pas assez visiblement. Ah si. Là, j'en ai 340, il en faut 800, donc je peux plus investir ailleurs. Mais bon, on a augmenté ça. On peut voyager. Préparation au combat, c'est quoi? Personnaliser le drapeau, ok. Bah écoutez, on va repartir. Est-ce qu'on peut le niquer discrètement? Oui, on peut. Ça marche. Bon, après, je fais le malin pour l'instant, mais on est encore dans un tuto, hein. Ah, c'est le début du jeu, quoi. À vous dire que c'est pas si dur, mais bon. On débute seulement, mais bon, je me dis, je suis arrivé jusque là. Et j'ai pas utilisé encore de potions. Donc... je suis quand même plutôt content. Je sais pas ce que c'est que ce gros chat, mais j'aimerais bien l'éviter. Ouais, il sent quelque chose de précieux. Et ben, allons-y. Je pense que le gros chat là, on va pas pouvoir l'éviter. Oh là là. Ah oui. Ah lui il a un niveau autrement plus élevé. Heureusement qu'on est deux.
Ouh là là, ah ouais, je me suis fait éclater. Ah ouais, quand vous perdez, vous avez le moral qui baisse, d'accord. Bon. Du coup là, je peux aller faire ça. Et je peux... Pour l'instant... Un point de sortilège pour chacune des 5 phases. Ok. La fonction suivante a été débloquée. Sortilège. Apprendre des sortilèges. Donc... Fais s'abattre un éclair sur une cible. Ou sur un point précis. Augmente la récupération automatique en cas d'esprit faible. Et réduit la diminution automatique. Ok. On peut faire ça. Ensuite, on a des trucs là-haut. Ça peut m'être utile. Tout ça pour le gros chien. Enfin, pour le gros chien, non, pour le chat. J'ai appelé ça un chat tout à l'heure. Donc, stalactite et quoi? Induit, ok. Bon, je fais un peu tout au pif pour le moment. Ici, on va mettre les éclairs. Ici, on va mettre le feu parce que le feu, c'est cool. Ici, on va mettre ça parce que ça peut être bien utile. Et ici, on va mettre ça. Ok. Donc, ça, c'est bon. Ok. Et donc, RT, et après, d'accord. Avec les touches. Et, nique ta maman. Bon, je suis désolé, on n'avance pas depuis tout à l'heure. On est toujours au même point. On en est rendu au même endroit. On va essayer de se bouger un peu le fion quand même. En fait, je vous dis ça, mais je ferai peut-être des cuts. Hein. Je sais, je joue vraiment comme un lâche, mais là, j'ai pas le niveau, clairement. Je vais faire autre chose que de jouer comme un lâche. Voilà, il est mort. Bon, il est mort, mais j'ai joué comme un lâche. Je peux pas vous mentir. Et pour autant, je sais toujours pas... Par où faut passer. Je pense que là, vous avez à peu près compris, hein. Hop. On va retourner là. Le problème, c'est que j'ai peur que le chat, il revienne du coup, là. Puisque tout revient dès qu'on fait la sauvegarde.
Hop. Hop. Et on va aller par là. Et boum. Et là, ici, normalement, j'ai encore de quoi monter. Bah, on va monter ça. Comme ça, j'aurai quasiment tout monté. Je vais faire pas mal de cuts, hein. Ok, bon ça. Ça, j'allais dire, ça a l'air de crever assez facilement, mais bon. Faire attention. On va ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. Ok. Ouf. Là, c'est qu'il nous rajoute en plus des combinaisons de touches, des choses et tout, donc c'est pas mal. Merde. Ah, il y a un enculé avec des flèches là-bas. Est-ce que ça veut dire que je peux récupérer un arc éventuellement? J'ai pris des dégâts bêtement là. J'ai récupéré ma vie, donc ça c'est bien parce que j'ai paniqué mes potions. Merde, putain! En fait, ce qui est compliqué dans ce type de jeu, c'est voilà, c'est que vous pouvez vous faire enchaîner. Comme ça vient de m'arriver là, par exemple. Voilà. C'est ça que je voulais faire. J'ai du mal à faire encore, mais c'était ça. Et boum! Donc là, j'ai 3 sur 3 sur tous les drapeaux. Donc, c'est pas mal. Est-ce que j'ai de quoi monter? Ah, pas encore. Même celui-là? Non, pas encore. C'est quoi? Attendez, il y a livraison. C'est quoi livraison? Ah, renfort, ok. On va pouvoir jouer en ligne. Est-ce que ça fait comme genre Dark Souls? C'est pas vraiment genre on joue en coop, mais on peut... Choisir un animal totem, équipement, tout ça. Ok, va y avoir. J'ai pas regardé. J'ai dû ramasser des trucs depuis. Quand on est obligé de l'avoir, genre, apparent. On peut pas faire un truc où, vous savez, il apparaît pas. Non.
Dommage. C'est la même. On va essayer d'améliorer un peu tout, hein. Enfin, tout ce que j'ai qui peut me donner plus de résistance, on va essayer de le mettre. Enfin, la vidéo de l'enfer, elle va durer des plombes. Mais je vais essayer de pas mal cutter parce que... Oh là, ça sent le boss, là. Et ça sent la fin de la vidéo. Parce que je pense que je vais me faire éclater. Et en plus, dites-vous qu'en condition vidéo, on est beaucoup moins concentré. Donc c'est plus difficile. C'est là que j'ai vu des gens qui disaient qu'ils avaient déjà abandonné parce que c'était trop dur apparemment. Et j'ai vu d'autres gens dire dire que ça se faisait plutôt bien. Oh putain. Ouais, cette fois j'ai loupé mon coup. Cette fois aussi. Cette fois aussi, bon. Voilà. Il y a moyen que ça passe. Il y a moyen. Si je fais pas trop l'handicapé. Oh merde. Merde, j'en ai mis un autre. Ah, je me fais avoir à chaque fois en fait. Je vais crever. Oh, j'arrive plus. J'ai plus d'esquive là. Bon. C'est chaud, mais je pense que ça se fait. Concentré et. Dans des conditions autres que ça. Ça se fait. Voilà, vous voyez, quand on est un petit peu concentré, c'est franchement c'est compliqué, hein, on va pas se mentir. Vous avez pas le droit, pas trop le droit à l'erreur. Hein. Vous voyez, là je me fais éclater parce que je fais. Mais voilà, voilà, là j'ai fait une erreur, je me suis fait éclater. Mais vous voyez, ça se fait. Donc, on va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà longue. Que je vais avoir du cut à faire et tout. Mais vous voyez, si vous vous démerdez pas trop mal, ça se fait. Il y a moyen. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.